Ok. Top. On prend 2 minutes pour vérifier le matériel. Ça a l'air bon le matériel là, non? Vous êtes bon au matériel? Pour moi c'est bon. Bon. Ça l'est. Ok, très bien. On m'entend? Ouais. Je vais lancer, j'ai un bug dessus. Ok, pour moi. Allez. À moins que vous n'avez pas de son du jeu. Moi j'ai le son du jeu, j'ai tout moi. Allez, là vous êtes fort. Mettez-moi le caisse. Allez, comme un gros con que je suis, je vais peut-être prendre des notes de vos noms. Et Drana, qui pour info, j'ai même un suppresseur. Ah, bien. Je vais regarder ce qu'on a. Regardez votre matériel, faites-moi un état de votre matériel si vous avez silencieux, des équipements bonus. Normalement, c'est bon. Tout le monde. Alors, tout le monde, là. Et on n'oublie pas qu'on a un JTAC avec nous. Ok. J'ai deux radios, ça peut être bien intéressant. Qu'est-ce que pour ces radios? Ah oui, j'ai que 3-4-3 moi. Oula, oula, oula. C'est normal que j'ai qu'une 3-4-3? Ouais, échange là avec, avec la vieille. Normal. Vous avez entendu la radio ou pas? Ouais, oui. Bon, la vieille. Ouais, s'il te plaît. Ouais, j'ai passé. Ça, c'est bon. À terre. Ok, qui a... Dranax Oden, l'un de vous a une 148? Je suis en 343. Tout le monde est en 343 sauf toi, normalement. Oh. Ok, d'accord. Bon, ça va être un peu chiant, mais d'accord. Pas de radio qui traîne sur ce putain de radio. Tant pis. Allez, Un coup? Ouais. Coup du sapeur, j'ai deux charges explosives. D'accord. Allez, on va aller voir les véhicules. Dehors. Ce serait con qu'il les garde à l'intérieur quand même. Allez, on sort. Oh oh, peut-être pas marcher sur la piste. Oh, ça devrait aller. Il est par là. Ouais. Un gars qui est resté dehors là, c'est qui? C'est Darnac. Quel est le son là-bas? Darnac? Il revient. Ok, d'accord. Il a été déco, il revient. Ok, ça marche. Comment t'as sauté sur... On va l'attendre. La formation stack. Pardon. Ah bah attends. Attends, regarde-moi. Qu'est-ce que j'ai comme ennemi? T'as un uniforme désert, j'ai l'impression. Ouais, toi aussi, tu viens de changer d'uniforme. Le dead, ça va? Ouais, comment un axe connecté. Ok, tout le monde est au silencieux là? Yes. Qui n'est pas au silencieux sur moi? Ouais, ok. Parfait, nickel. Wilco, tu conduis? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas automatique? Non, il faut juste qu'on monte dans les véhicules et après je nous ferai débarquer. D'accord. Là les deux loulous. La vieille. Et Zarnak est là. Je fais comme random de temps. On s'est fait piner le binôme tôt là, on a pas de casque. Ah, bah, je vais te montrer, attends. Vous serez pas au contact direct, hein, ça va aller. Plus en a que c'est un hipster avec sa lunette. Vous êtes à combien en poids les gars avec vos sacs là? 26 pour ma part. 23. Ok, c'est bon, ça passe. Bon, allez, prenez votre véhicule les gars. Je suis à 30. 30, ok.
Squadron et Dragon accueillent ensemble, les autres on monte dans le véhicule. Voilà. Quadré d'abord. Alors. Pas besoin de démarrer. Ok, tout le monde est prêt? Ah, tu peux. Non, pas besoin de rentrer dedans. Hein, pas besoin de rentrer dedans. C'est moi qui vais m'en occuper. Quand je vais faire Foxtrot, il va me sélectionner. Il va me demander de sélectionner. Tu vas avoir un menu avec qui tu sélectionnes ce que tu veux. Il est beau le porte-avion. D'accord, c'est beau, c'est propre. Allez, on y va, les gars. Wow. Téléportation. Petit scoop se lance pas, c'est bien. Allez, équipe Tau, vous prenez la tête, vous repérez vite fait où est-ce qu'on est, vous commencez, on va suivre la route là. On suit la route jusqu'à la bifurcation dans la vallée, un peu plus au nord, on vous suit. À pied. C'est par où? Quelqu'un peut me faire la nave? Attends, tu vas les suivre. Ouais, c'est vers le nord de toute façon, dans, de l'autre côté. Ouais. Les véhicules sont stuffés. Hein? Les véhicules sont stuffés, ils ont. Ah ouais, ok, d'accord. Donc on verra, on les laissera peut-être pas sur place. Ok, quelqu'un lance grenade? Qui n'hésite pas à prendre des grenades en rab? J'ai des grenades moi. Ok, tu prends. Lance grenade, pardon. Je vais t'en prendre. Il y en a dans le véhicule aussi. Ouais. Il y a des lance grenades dans le véhicule? Non, des grenades. De toi, à leader. C'est ce qu'il disait. Ouais. Correction. C'est reparti. C'est reparti là. Yel. Qu'est-ce qu'il fout là mon GPS? Ces petits véhicules. Ouais. Il y a un passe-partout. Sur le prochain segment, je me mettrai à ta place. D'accord. Ça marche. Tu veux que je sois devant, c'est ça? Non. D'accord. Mais comme il n'y a qu'un seul flingue à droite, à gauche du véhicule, ce soit le mien. D'accord. Mais celui il faut. Ils sont sur ton avant là. Ah je les vois. Sur branche. Ouais. Ah bon, on prend pas mal. Ok, on commence à remonter vers le col là. Donc je rappelle, on fait une pause avant le col, on débarque, on jette un coup d'œil derrière le col. Binôme, Tau, vous resterez sur le champ droit. Ok.
que R1 sur la gauche. Moi ouais, c'est reçu. Bunker où ça? Sur la gauche, là juste 400 mètres. Ouais, c'est bunker. Vu. On est près d'une base abandonnée donc. Ouais, ouais non, y'a personne, c'est. Allez, on débarque les gars, on va faire un petit recours et on reviendra après. Okay. On avance vers le 40. En pseudo ligne, en module. Ok, on avance doucement, on prend un visu. Ok. Base en visu. Vraiment joli Malden. Hein. Elle a l'air d'être bel et bien abandonnée. Je vois rien par un espèce de bunker droit devant nous. Ouais. Je regarde s'il y a des patrouilles. Ça a l'air d'aller. Apparemment c'est le désert. Ok, la base abandonnée n'a pas été réhabilitée, elle est toujours déserte. On va emprunter le chemin dont on a parlé, on va aller sur POV. Allez, on va vers les véhicules. Ok, du tour. Je vais mettre à l'avant Veldrid à côté de Wilco. À l'avant? Ouais, mets-toi à l'arrière avec la vieille. Ok. Tu confirmes on passe sur le flanc sud de la base abandonnée? Ouais. De toute façon tu vas les suivre. Et c'est bon, on peut y aller. Ok, on est prêt, on vous suit. Et direction pas vrai, donc. Confirmé. T'as rien que le fusil posé devant, hein. C'est vraiment classe. C'est clair. C'est tiens. Ouais. T'es moins classe, c'est la coup qui passe à travers avec le sien. Je déconne. À coup fait des ciels encore. De quoi? Oh, rien, t'inquiète. Non, quand on se fout de ma gueule, je fais semblant de ne pas avoir entendu en fait. Ah, c'est pas con ça. Eh ouais, la vieille. Tu attends une bonne trentaine de secondes et tu demandes à la personne de répéter. Ça marche à tous les coups. Vous pouvez répéter la question? Stéphanie de Monaco. Ok, Crête, tu veux descendre? Non, c'est le reste de la base. Pas la bonne? Ok. C'est la base encore abandonnée. C'est la military sur Cross 4. Attendez, je vous donne un azimut si vous êtes perdu, les gars. Non, non, c'est bon, tout va bien. Ok. Partez pour. Regarde, partez. Allez hop, on suit, ils sont sur la droite. On repart. Sentiment de puissance quand on est comme ça. Tout en haut d'un paysage. Tout là-haut. Non, je me sens vulnérable, moi, au contraire, c'est bizarre. Oui. Non mais les deux vont le faire en fait. Bon. Ils sont sur la droite. Et on est sur POV 1. Très bien. Allez hop, on s'arrête ici. Bon. On va voir s'il y a un petit visu. Chante. Clear. Et, ouais, visu sur l'aéroport.
Valdred, Wilco, assurez la... Non, Wilco, TJTAC, ce serait bien que tu aies un visuel sur l'objectif. Valdred, assure la sécurité arrière. Je suis à côté de toi. Bien reçu. C'est plus simple pour me parler. Ok. Après, l'équipe TO aussi, hein, qu'elle ait un œil sur l'objectif, c'est pas mal. Alors, on okay. est à combien TAC ici 1, ça me semble clair. Ok. Soudain, déploiement du TO ici. Audio véhicule. Dimut. Audio véhicule Est. Descendez. Audio véhicule, attention, Est. On est sur Pavin, on a du monde à la station de télécom. Ouais, il y a du monde en face. On est sur Pavin. Ouais. Véhicule au 150 maintenant. 50 ? Regarde ça. C'est quoi comme véhicule ? T'as su voir ou pas ? Non, c'est l'audio. Ah, il y a une route qui passe. Ça... Ouais, contrebas là, ouais. Je la vois. Ah, c'est bizarre, il est passé où ? Ok, garde un œil là-dessus, la vieille, si tu peux. Du côté où il y avait le véhicule. Elred continue d'assurer les arrières. Ok. Chef ? Ouais. Première position antiaérienne, je pense qu'elle est sur K2. Elle est masquée par des. Par les sacs de concassage là devant, mais elle est sur K2. Azimut 87. Ensuite sur 89, tu as deux hommes. Tu as l'air d'avoir aussi un anti-aérien. Donc ça c'est sur K3. Pardon, ouais. K1. Il n'y a que K3 du coup qui est pas occupé pour l'instant. On a trois positions anti-aériennes à désinguer. Right. Ah, la si. Troisième, tu vois la boule radar au 97, okay, juste derrière à gauche. Juste derrière à gauche. Bien vu, ouais. Allez sur, je l'appelais K4. Ah d'accord, je m'attendais à ce qu'elles soient tous au même endroit. Merde. On vient armé sur son télécom. Tu as un tank hors service juste à côté. Ouais, vu. Et la dernière position anti-aérienne, elle est sur K5. V qui arrive sur TAC 1, gaffe. Il phare, il se dirige vers nous. Ouais, il sort, il arrive vers nous. Il s'est arrêté. J'ai l'impression qu'il nous a tourné nos vises. Ok. En négatif. Attention, cible pré-engagée. J'ai un blindé sur l'est. Ouais. Deux véhicules armés devant l'aéroport défilant gauche. Azimut 85. Ok, il y a des enfoirés partout. Oh putain, ça grouille. Un vie armé et transport de troupes. Proche de l'aéroport. Ah oui, c'est celui qui vient d'être signalé. Ok, ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler. Pour info, j'ai aussi le bombardier stratégique, position à venir dans quelques minutes. Il y a un sur l'arrière ou le droit. Ah ouais, je vois. Ok. Ici. Putain, y'en a partout. Merde, y'a des snipers aussi. Oh putain. Position bombardier stratégique, t'es prêt à prendre un coup? Vas-y, je prends. 080. Et unité 0, unité pavé 8, pardon, pavé 6. Ouais, reçu, c'est sur le parking principal. Ah, Mathis, tu as un C-130, un TU-95 et un espèce de Gripen. Putain, faut tous les faire sauter. Véhicule audio. Au loin, au 80.
pas si loin que ça. Hein. Défiler en droit. Ouais, défiler en droit. Donc Wilco, tu me confirmes, t'as vu position anti-aérienne sur kilo 1, kilo 4 et kilo 5, c'est ça? Kilo 6, kilo 5, kilo 2 et kilo 1. Ouais, ouais 220. Ouais. Ah bah c'est de... Ils sont deux. Qui a reçu 4 unités repérées, hein, d'accord? Ouais, 2 véhicules, ouais. Vu. Patiente. Défilé en droit, au 220. Correction, donc 4 unités repérées sur kilo 2, kilo 1, kilo 4 et kilo 5 comme tu disais, confirmé. Ok, nickel, merci. Bon, alors... Il veut pas prendre la distance, c'est abruti. Est-ce qu'il faut que je clique? Deux véhicules. Ah putain, comment j'avais galéré l'autre fois pour un. Deux véhicules au 100, des fuites en bras. Ça, non ouais. Au 150. Véhicule 150. Audio, mais... Alors pour le coup on a aussi une tour en 83. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais sur le toit il y a un sniper donc ça va être chiant. Ouais, il est là-bas. Ici, il est... Sniper confirmé. Sur la route. Ouais, il est encore trop bas, on le voit pas. Si, si, il est au 180 sur le okay, je l'ai vu, Ah, ok. Ah, ils font des alertes. Hein. Bon, bah il y a du monde sur TAC 1, ça fait chier. Pauvre 2, c'est mon pauvre 2. Essaye de repérer déjà où sont les mecs en fixe, ce sera déjà ça de fait, pour qu'on puisse avoir le chemin. C'est là-haut. Ouais, plein de signal thermique. Bon, clairement, l'ennemi a l'avantage du nombre et de l'armement, donc ça va être du... Ça va être du hit and run, je pense, un truc dans le bordel comme ça. Je pense qu'on va essayer de faire venir les renforts le plus tôt possible. Et toi, t'as... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Véhicule qui sort de TAC 1 à nouveau. Il fait une petite boucle TAC 1, il passe sur la route là qui mène sud-ouest. Et il revient sur TAC 1. Je t'ai mis à jour le trajet sur la... Ouais, ok. J'aurais peut-être pas du journal. Bouge cross 2 à ce moment-là. Il fait cross 1, cross 4, cross 5, il revient sur cross 5, cross 4. Et je sais pas trop après. Ah, il va jusqu'à cross 5 sur notre nord? Ah, je sais pas, non, s'il va jusqu'à cross 5. Mais s'il passe jusqu'à cross 5, puisqu'il passe en tout droit. Ah non, attends. Bon, j'en sais rien. C'est un truc comme ça en tout. Attends. D'accord, elle est là alors.
Pour info, on a une patrouille de 2 en 080 107 pavé 3. Statique, proche de la tour où tu as repéré le sniper tout à l'heure. T'as raison, je vais remettre à jour le tien, il doit pas faire ça tout à fait. Ce sera utile que tu le saches. Putain! Mais je sais plus où c'est ce truc de merde là pour les distances. Pour les distances avec le bordel là de vecteur de brin. C'est j'arrive à afficher en restant appuyé sur R ou tab. Non non, c'est lock. Comme si t'avais un tube lockable, tu lock avec. Ouais, T. Tu vois. Bah ça ouvre Ah putain, ok, d'accord. Good, nickel, c'est bon, ça marche, ouais. Okay. Je le faisais mal en fait. J'avais la bonne touche, mais je le faisais mal. Pour info, j'ai vu un contact à gauche de l'antenne au 130. J'ai pointé sur la route, il est reparti. Oui, il y a du monde, il y a une patrouille sur ta carte. Ah oui, en fait, c'est parce que c'est hors de portée. Ouais, pourquoi il veut pas me donner la distance là-bas? Putain, enculé! Tu veux la distance de quoi? Ah, ou alors c'est parce qu'il y a une herbe devant qui gêne. Putain. Essaye debout. Ah non. Putain. C'est quoi ce matériel de merde qu'on nous a refilé là? Tu veux quoi comme distance? Bah je voulais sur les artilleries. Ah, au-dessus de 1000 mètres, il veut plus donner les distances. Ton casque, on s'est fait entuber lors de la répartition. J'ai une casquette. Ouais, confirme. Il a un pauvre bonnet en laine. Putain, quel con. Ouais, au-dessus de 1000 mètres, il veut plus donner les distances, ce connard. Ballot, ça. Je faisais bien les choses. Bon, sur TAC 1, on a repéré deux hommes, mais il est susceptible d'en avoir plus, donc. Pas de sniper. Je me demande si ça vaut le coup d'aller se poser là-bas avec le MV qui traîne, ça ferait chier. Bah... On va se rapprocher un peu, non? Il est dans les pics de bord. Binomto, vous avez une idée de la distance entre vous et kilo 1, kilo 2, kilo 3? Moi, mon vecteur ne me permet pas de mesurer jusque là-bas. Kilo 1, kilo 2, tu dis? Ouais, tous les antiaériens là qui sont sur l'est. 1500 mètres. On a au moins 1,500 km. Ouais. Audio véhicule 70. 1550. Pour les premiers, et à partir de kilo 4, c'est 1600 jusqu'à 1650. Comment ça se fait que t'as du meilleur matériel que moi, toi? C'est pas. Je sais pas moi. T'es jaloux? Audio véhicule 120 depuis l'endroit. Un peu. Par contre, ce que je te conseille de faire, quoi que tu envisages, c'est de faire les deux frappes avant qu'on y aille. Ouais, ouais. Je serais plus efficace de loin. Là, il faut que tu définisses les cibles prioritaires. T'as eu le crack d'un départ de. Ah bon? La sonde. Ah bon? Ok, c'est pas qualifié. Non, non. T'estimes que tu peux faire tes premiers tirs. Des tirs précis dès le premier? Ah bah le premier je peux l'envoyer sur un des avions par exemple. Non, si je te demande si je te demande de neutraliser une pièce d'artillerie. Enfin d'antiaérien. Alors en pièce d'artillerie je vais pouvoir te traiter. Sur. Je vais pouvoir te traiter celle sur K5. Celle sur K4. Ouais, ok. Les autres ça va être plus compliqué parce que j'ai des sacs de sable devant. Ça marche. Binomto. Ah écoute. Si on s'installait ici, vous pensez que c'est faisable kilo 1, kilo 2? Les deux pièces antiaériennes qu'on a sur kilo 1 et kilo 2. Ils vont être gênés par les sacs aussi. Moi, pour moi, non. Ouais, plus gênés que toi, finalement. Ouais, moi, sur kilo 2, je vois l'eau de la pièce. Je peux la traiter. Plutôt impossible. Ouais, c'est reçu. Bien, Devinomto, si on regarde bien, il y a des sortes de barrières qui entourent les positions... sur les canons, faudrait prendre soit un peu plus d'altitude, soit se décaler pour avoir un visu.
Ouais, il faut que tu te décales en fait. Déjà, t'essaies de donner une position où ils pourraient être Pas mieux. nous, pas nous, mais je pense qu'eux ils vont monter sur POV 2. Putain, on a pas une 148! Ok, binôme, tout regardez dans les véhicules s'il n'y a pas une 148 qui traîne quand même, parce que je pense que je vais vous envoyer sur POV 2 pour avoir un visuel sur kilo 1, kilo 2. Ouais, POV 2 ça peut le faire, je pense. On a des outils de map là? Non, on n'a pas les outils, dommage. Le véhicule 70. Le négatif. Ok, on va s'organiser autrement alors. Je peux t'avoir celle sur kilo 2 à coup, sûr. Ah bon? Plante-toi un peu. Celle sur kilo 1, de la protection, sur kilo 3, voilà. Pardon, il faudrait que le personnel ne bouge pas à l'intérieur plutôt que le personnel. Ok, regroupement. Gardez les azimuts, mais on se regroupe derrière le bunker là. Alors, comment ça va se passer? On va voir Wilco qui va se charger avec le JTAC d'avoir K4 et K5. Kilo 1, kilo 4, kilo 5. Bidum Tau, vous allez monter sur POV 2. Vous allez installer votre Tau là-haut de manière à avoir un visuel sur kilo 1, kilo 2. Alors, c'est vague, c'est POV 2. Je vous laisse l'initiative de vous placer correctement, sachant que TAC 1, on a de l'infanterie dessus. Et sachant qu'on a un MV qui fait des allers-retours sur la route. Vous l'avez vu? Oui. Donc, à la rigueur, une fois que le Tau est déployé, si le MV vous fait chier, vous pouvez le traiter. Si vous pouvez vous replier une fois que vous avez traité kilo 1 et kilo 2, vous le ferez. Vous replierez sur POV 1 en grande vitesse. L'idée, c'est qu'il vous reste 2 missiles Tau, donc essayez de ne pas rater vos tirs, pour ensuite traiter les avions si possible, les avions bombardiers qui sont identifiés sur carte. Le top départ, ce sera Wilco et les missiles JTAC qui les donnera. Ensuite. Tu regardes dans cette direction. De toute façon, on les aura pas en radio en principe à coup. Ouais, c'est pour ça que ce sera le top. Okay. Pourtant, on va vous laisser. Est-ce que tu veux. Il est quelle heure? Complètement explosé. Regarde. Mon flanc gauche, il est complètement explosé. 53. Ouais, à 5h pile. Est-ce que vous pouvez vous installer pour 5h pile là-haut? Si t'empêches pas d'observer. Non, si on s'y met tout de suite, oui. Ok. Vous assurez votre propre sécurité, votre discrétion, quoi qu'on peut vous couvrir d'ici. Une fois là-haut, plus de contact radio, vous attendez les explosions de missiles balistiques et vous engagez kilo 1 et kilo 2. Vous avez des fumiers avec vous? Ouais, on a 2-3 smokes chacun, de couleurs différentes. Ok, quelle couleur? On a contact radio, du blanc et du rouge, une chacune. S'éloigner. Ok, une fois sur place, vous balancez une smoke rouge si vous n'avez pas de solution de tir. Si je vois pas de smoke rouge, c'est que à 5h, c'est que j'estime que vous êtes en place prêt à tirer. Non, je pense que de POV 2, on sera beaucoup trop loin pour toucher, on n'aura pas de visu. Éventuellement, on se rapprochera sur TAC 1. Si c'est pas POV 2, faut que vous me trouviez une solution. Ça peut être sur la crête en contrebas de POV 2. Ok, ça marche. Parce que 1500 mètres, ça me paraît être la distance maximale. Quoi. Mais bon, ouais. On verra sur place. Ouais. Écoute, trouvez une position, si vous êtes à portée radio, vous la donnez. Allez, on va dire 5h05. 5h05, ça marche? 5h05, c'est bien pris. Allez. Démonte. Bougez pas tout de suite, il y a le véhicule qui est là. Ouais, faites attention, il y a le véhicule qui passe là, le MV. Ok. Sur le sud. Défilez en droit. N'hésitez pas à contourner tout le bordel. Faut vraiment qu'on fasse du. On n'est pas beaucoup. Et l'ennemi est vraiment nombreux. Si on se fait repérer, on l'a dans l'os, quoi. Bah, surtout vous si vous êtes à deux. Le véhicule est passé. Allez, bonne chance, les gars. On l'a toujours en visuel, mais en éloignement, il est passé de côté. Wilco, tu fais ta préparation. Tu commences à t'installer là où t'es le mieux pour préparer ton boulot. La vieille, tu vas garder la direction sud, tu vas essayer de couvrir l'avancée du binôme. Mmh. Du binôme machin truc. Valérie, tu gardes les arrières. Ok.
Gardez un œil sur les potes. Putain, c'est chaud. C'est chaud, patate. Bah, y'a du monde, hein. Ouais, y'a du monde. Ouais, y'a du monde. J'ai plus de visuel sur les collègues. Ouais, c'est surtout la vieille qui doit garder un visuel sur eux en fait. Et sur leurs alentours. N'hésite pas à te déplacer à trouver des bonnes positions, la vieille. Il y a plein de trucs ici pour s'amuser. Ouais, pour l'instant je me préoccupe du MV. Tac. Qui sort de ta carte. Toi aussi t'as un silencieux sur ta N59? Ouais, j'ai un, bien bien. Ils sont engagés, j'ai pas, oh, du, ouais, je sais pas du tout. S'engage derrière. Derrière eux. Ok, j'ai visu sur eux. T'as vu des traçantes ou pas, Wallred? Non, s'engage derrière eux. Donc de l'autre côté, sur le, la contrepente sud. Il homme sa capte. Ouais. Ok, il s'est passé quoi? Intercepté sur une patrouille de Tango. Un Tango restant vivant au track. Ok, on peut pas vous aider pour l'instant, donc on vous prévient si ça bouge ailleurs. Est-ce que ça bouge ailleurs? Le MV continue sa patrouille. Je reste dessus pour l'instant, je peux pas vérifier ce qui se passe sur ta. Ok, là-bas ça bouge pas. Tac 1. Tac 1, ça a pas l'air de bouger. Bien. Un véhicule à patrouille au 100. Il file en gauche. Ah, je suis dessus, ouais. Derrière. L'aéroport. Ah, il se barre, c'est bien. C'était le seul MV qu'on avait repéré? C'est le seul. Ok. Enfin, à part ceux qui étaient au bord de l'aéroport. Il est arrêté et repart là. Ok, le MV bouge vers Cross 5, donc a priori pour l'instant le secteur est libre. Chier parce que je les ai pas vus partir et je sais pas où ils sont. Ils étaient où là les gars, les copains? Normalement sur crête. Je parle du binôme tôt, hein. Ouais ouais ouais. Ouais, sur ils sont quasiment au sommet. T'es un azimut? Attends, je perds le MV, je te dis ça. C'est lié. Azimut, ouais, ils sont pile 188, donc à droite du grand rocher. Vu, ok. Ouais, vu. Bon, j'ai perdu la visu avec le MV, mais il devrait faire demi-tour. Et on devrait le rechoper dans pas longtemps. Ok, binôme tow, check. Ouais, il ressort vraiment pas. Ouais, binôme tow, bah on est opérationnel, on engage en contact, on trouve pas le deuxième. On va continuer la mission. Ok, c'est très bien, on a contact radio en plus, c'est parfait. Pour info, 5h dans 30 secondes, on reporte. Répète. 5h dans moins de 30 secondes, on reporte. Non, il en reste 5 minutes là, à 5h05. Le MV revient. 5h05, noté. Confirmé pour tout, 5h05, on essaie de s'établir pour 5h05, terminé. Il est où? Il revient. Azimut. Ouais, il doit être au Grosso Merdo, il est au 110. Oui d'accord, il est là-bas. Ok. Parce que là on a un deuxième véhicule, j'entends, j'ai un audio véhicule. Ouais pareil.
140 maintenant. Ah merde, si ça bouge, hein, y a du monde qui bouge sur TAC 1 là. Ils sont sur TAC 1 Non, y a de l'ennemi, j'ai vu des ennemis bouger sur TAC 1, ça commence à s'affoler. Oui, t'as au moins une patrouille. C'est du 700, c'est du presque 800 mètres. L'entrée droite de TAC 1, c'est 800 mètres. Ah, c'est bon, non, ils se remettent en patrouille. Putain, ils m'ont fait flipper eux. Hein. Attention, je passe. Si je les ai vus courir, ils m'ont fait un peu peur. Son sang. Ouais, non, c'est bon. J'espère qu'ils vont trouver une position parce que ouais, là le plan il est serré comme un string. Ouais, j'allais le dire. Ouais, le MV va retourner sur TAC 1 là. Il est en défilement gauche. Moi, je le sens pas. 35. Il passe dans TAC 1. Non mais Weldry, tu t'en fous de TAC 1, tu t'en fous du MV, tu prends l'arrière. Planque-toi derrière ton pillbox. Putain, si on arrive à voir les 4 d'un coup. J'ai envie de dire, c'est un peu la seule chance qu'on ait de réussir cette mission. Binôme Tau, vous me recevez? À l'écoute. Qu'on soit bien clair, si ça merde, c'est. Je préférerais que vous utilisiez deux missiles pour les. Enfin, un missile par anti-aérien. Si vous ratez, vous avez autorisation d'utiliser les quatre. Mais si ça chie et que ça commence à barder, c'est repli immédiat. Ouais, j'ai copié pour instruction. Pardon ? Il est où, Wilco ? À gauche. De l'autre côté du bâtiment, peut-être ? J'ai jeté un oeil mais je vois pas. Bon, voilà. Ça fait trop chier que je puisse pas mesurer la distance là-bas. Et bon, la vie. Aïe aïe. Ok, vas-y, je te remplace. Ouais, je t'écoute. T'as pas de viseur toi? Si, j'ai eu une optique consistante, ça doit être du Capri. Ah, ça va. Ouais, pas. Pour moi, pareil. Parfait. Non, nickel, ok. Ah oui, c'est une M145 que t'as. J'ai des jumelles aussi. Ah bah oui, on a compris, Valdrid, que t'avais des jumelles, puis tout à l'heure, je te vois avec. Que je te remplace, voilà. Tu vois, Valdrid, si tu dois couvrir l'arrière, les flancs et tout ça, je préfère que tu le fasses avec ta lunette et que t'aies l'arme prête à tirer, plutôt que des jumelles. Weldred, oui. Je te remplace. D'accord. Bah, tu vas pouvoir faire autre chose que de surveiller l'arrière. Bah, je fais quoi du coup? Ah bah je sais pas, tu te reposes. Tu surveilles les flancs, tu. Je suis le MV parce qu'apparemment il est pas. Taux de JTAC. Ok, je prends le nord. Voilà, de JTAC, Taux, êtes-vous en place? Ouais, Binôme Tau, on a visuel sur kilo 1 et 2, prêt pour frappe. Bien pris, j'envoie la sauce dans 15 secondes sur K4 puis K5. Allez, tenez-vous prêts les gars, c'est maintenant que ça va remuer. Okay. La veille, mets-toi sur les. Là où tu seras le plus utile. Laisse l'arrière à Veldrid. Enfin, Veldrid garde les flancs. Ouais, j'envoie la première frappe. On est sur ta carte. Vous pouvez y aller. Quoi ce bruit? Missile. Boum. Ok, impact sur kilo 5 confirmé. Kilo 4.
Deuxième frappe. C'est parti. Back dans 15. Ok, kilo 5 détruit. Podium V80. T'es dans le coin. Oh la vache. Kilo 3 non détruite. Correction, kilo 1 non détruite. J'ai un droit. Attention, Bidomto, vous avez le MV dans le coin. Ouais, Bidomto, je confirme la neutralisation de kilo 1 et 2. Ok, JTAC, Eto, répétez, confirmez, les 4 objectifs sont neutralisés. JTAC, kilo 4, kilo 5 neutralisé, kilo 2 confirmé, kilo 1 pas sûr, j'ai 2 personnels à côté. Ouais, de binôme tôt, je confirme pour kilo 1 et kilo 2. En sang, il y a 2 personnels statiques en... Ok, équipe tôt, si vous estimez que vos objectifs sont neutralisés, vous pouvez vous replier sur notre position, vous déployez ici et vous chargerez des bombardiers. Confirmé, on se déploie où? Mais on sent... Si pour vous c'est bon, vous revenez sur place ici avec nous. Oui, si, il fait ça. Oui, c'est bien ça. Il va jusqu'à cross 5 et après il remonte là. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Faisons mon itinéraire. Ok, attention à tous, le sniper est en alerte. Bon, bah on devrait attendre les renforts là normalement. Pourquoi y'a un blindé qui cramait là-bas? Y'a Binomto, vous me recevez? Ah, écoute. Ok, confirmez la prise d'ordre. Ah, c'est bien pris, on retombe sur POP 1. Ok, reçu, terminé. Ça tombe, on va même pas tirer une balle, c'est cool. Un coup? Ouais. Les renforts n'arriveront que quand tu auras détruit l'avion, je pense. Ah, tu le penses? Ah ouais. Oui, faut tout détruire. C'est pas ce que j'avais vu, moi, mais... Attends, je relis. Alors, pour regagner du temps... Il va sur mission. Il parle des deux objectifs sur le deuxième paragraphe. Après, il parle des moyens. Et ensuite... Une fois ces cibles neutralisées, le gros des troupes pourront débarquer. C'est comme ça que je l'interprète. D'accord. C'est bizarre, il n'y a pas de fumée au-dessus des anti-aériens. Moi, je suis pas étonné. C'est de la merde. Par contre, ils sont pas en alerte, quoi. C'est trop bizarre. Ok, Eto, vous déployez où vous pouvez pour avoir le meilleur visu sur les bombardiers et vous les fumez. Eto encore. Ok, je comprends.
Si ça tombe, il y a plus de bombardiers. Les arbres plus qu'autre chose. Vas-y, mets-le au moins. Il y a qu'un seul bombardier dans le briefing. Comment? C'est vrai. Ah, des aéronefs, pardon. Donc il faut faire les je pense les 6, les 3 pardon. Ah ouais, on va être obligé d'y aller, hein, je pense, chef. Il reste plus que 2 missiles. Ouais, c'est ça, t'avais 2 missiles en plus. Hein. Moi j'avais 2 missiles, ils en ont 4, donc il y a 7 cibles pour 6 moyens de frappe, 6 vecteurs. Putain, comment ça? Moi je vois 2 bombardiers là. Tu as un TU-95, ensuite au milieu tu as un Gripen, et encore à droite tu as le C-130 noir. T'as 3 vecteurs aériens. Même le petit là, faut se le faire. Ah oh, bordel. Bah après j'interprète comme ça, c'est toi le commandant, c'est toi qui fixe les objectifs. Ok, je croyais un peu le briefing. Hein. Après avec un peu de chance, si tu pètes les deux gros, peut-être que celui du milieu va péter à cause des dégâts des deux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. On déploie, on démonte. On déploie sur la gauche. Prends le véhicule, petit coin là. Ouais, exactement. Attendez, bougez pas tout de suite. Bougez pas tout de suite, vous avez le MV qui est dans sa phase de retour et il va passer par... Putain. Là, tu l'as vu là? Bon, ok. Non, il est pas encore là, mais il est en train d'arriver. Leader. Ouais. T'es où? Il va pas tarder, quoi. Ici. Ah, à l'extérieur, ok. Ouais, dans les fils de barbarie. J'arrive. Ah. Ouais, attends, un peu de temps arrivé. Ok, donc on a encore deux bombardiers sur zone, ouais. Et un espèce d'avion, d'un espèce de rafale quoi. Ah, ce que Wilco on considérerait aussi comme un bombardier. Moi j'ai deux forces, j'ai encore deux missiles à frapper. Je pense les déployer sur la côte 60, la petite colline 60, pour avoir les visuels sur les deux bombardiers. Pour toucher le TU-95 et C-130. La côte azimut 60. Petite colline 60, même pas 50 mètres. Je pense que ça va me déployer parce que en fait j'ai un arbre qui me gêne. Ah ouais, bah carrément. Ouais, vas-y, vous évoluez dans la zone, pas de souci. Ok, donc cible prioritaire, les deux bombardiers. Jusqu'à preuve du contraire, oui, t'attendras mon ordre de tir quand même. Ok, c'est pris, on s'y déploie. Non, il est juste à côté. Voilà. Non, j'entends, je sais où il est. J'ai un audio véhicule à l'arrêt au 40. Il est pas à l'arrêt, il est en train de se déplacer. Ouais, il repart là. MB en approche, MB en approche. Planquez-vous. Ouais. On vend de l'AMG là du support là. Oulala. Planquez-vous, on est pas repéré. À terre. Il nous fonce dessus. À terre. La vieille, mets-toi sur le secteur nord. Je suis encore à l'extérieur dans les buissons, j'ai pas pu bouger. Ok, il a débarqué du monde, je peux tirer. Vas-y. T'as pas une super position de tir la veille, mais c'est pas grave. Gunner près de tête. Ok, essayez de vous dépêcher de déployer le taux là, on a plus de temps à perdre. D'abord, on se met sur la colline. Et revoilà. Enfin, il joue avec nous là. Qu'est-ce qu'il fout? C'est plus une menace, le gunner a été traité. Ouais, mais il pourra aller avertir ses copains. On y va. De toute façon, là, oui. Lance-grenade, balance-moi une grenade dessus là. Trop court. Vas-y encore. T'es enculé. Apparemment le tireur est neutralisé. Ouais, ça on sait, mais c'est pas ça qui m'inquiète. J'espère qu'il a pas eu le temps de placer une com radio. Je regarde si ça bouge. Vérifie sur ta quin, Wellreed. Ouais. Vérifie sur ta quin si ça bouge et si ça vient pas sur.
Toa leader. Good. Deux bombardiers en visuel, prêts à faire feu, en attente d'ordre. Wilco, c'est bon pour toi. Ok, attendez 30 secondes, je vous confirme. Wilco, c'est bon pour toi. C'est bon. Merci. Il y a bombardier stratégique sur le tarmac. Ouais, sur le tarmac. Un bombardier stratégique sur le tarmac. Podium vie au 30. Défilé en droit. Allez-y, lancez la purée sur les deux gros là. Sur les deux gros avions là. Je sais pas si ça va suffire, mais on détruit au moins ça. Je pense qu'un missile dans la gueule, ils vont pas être en. 125, défilé en droit. Avec toi, j'amorce le feu. Victoire! Ah! Déjà!